Bonjour, je m'appelle Bruno. Ça fait déjà 6 ans. Je vis en France, j'ai 29 ans, je viens de Croatie et je joue pour Créteil Handball. Je joue à Tremblay en France, avant ça j'ai joué à Prešov en Slovaquie et à Zagreb en Croatie. Honnête, intégrité et mec qui travaille beaucoup. Jour de match. Extérieur. Je sais pas. Il y a un truc quand tout le monde est contre toi. C'est un moment spécifique. Entrant. Ligue des champions. Brillante. Chabala. Attaque. Au soleil. La Croatie. Le 2. Ça dépend quand. Pendant la saison, pour les pâtes, en vacances, c'est bourg à frites. Ça dépend aussi, mais normalement à la maison. 5 jours sur 7 à la maison, 2 jours sur 7 dehors. International. Variété. Être en forme, être pas blessé. L'histoire, ça déroule comme ça. Après la saison, on a fait la caisse noire à Porto et moi et Jason, well, on a décidé à faire le même tatouage, donc deux. On a fait ça, parce qu'avant tous les matchs, tous les entraînements, on fait handshake. Et on a fait ça, donc 19-24. Et 19-24, ça veut dire pour la première fois, on a joué à Tremblay en France 2019. Pour la deuxième fois, on a joué à Créteil en 2024. Voilà, c'est l'histoire. Plus beau souvenir, c'est un moment où on a marqué le dernier but contre Sesson pour match nul, quand on a resté en première division. Pour jouer avec Ante Babic, jouer avec Dika même. Ça se passe bien, ouais, c'est pas mal. Mais c'est peut-être fatigant. Musculation. Venez supporter nous, on va gagner le plus de matchs possible. Donc, ça va être pas pareil comme l'année dernière, je crois.